Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzoguwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bande Konaviso Barbolingo, bonjour ou bonsoir pour une deuxième fois parce qu'on s'est déjà salué. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un scandale qui avait lieu à la présidence. Il y avait un scandale imposé à la présidence par la majorité diabolique de Joseph Kabila. Et il y régnait une certaine peur. Ce n'est pas mon mot, c'est un mot prononcé par Marcelin Bilomba. Dans un interview que j'ai choisi un extrait que je vais vous montrer. Il dit que c'est fini, il y a rupture et on n'aura plus peur. Tokobanga lisusute, parce qu'il le dit en lingala. Tokobanga lisusute, ça veut dire que tozalaki kobanga. Donc il régnait une certaine peur à la présidence, chers compatriotes. Joseph Kabila touchait tout son argent à la présidence. Donc, au nom de la majorité, il s'était imposé à la présidence où il prenait 900 000 dollars par mois et ses 2 500 gardes étaient payés et beaucoup d'autres frais qui ne sont pas cités par Marcelin Bilomba. C'était scandaleux. Et voilà leur cabale de faire du mal à Félix Tshisekedi, soi-disant qu'il a dépassé le budget présidentiel de 14 000 % par le ministre des Finances ou le ministre du Budget. C'était tout simplement calculé pour que le peuple puisse se défaire de Félix Tshisekedi ou pour que le peuple puisse râler contre le président Félix Tshisekedi. Eh bien, Marcelin Bilomba avait dit que c'était un dépassement de 318 %. Et la grande partie partait dans les poches de Joseph Kabila. Voilà, chers compatriotes. Donc ce Rwandais de Kanembe qui a tout faux, les faux noms, les faux parents, c'est tout simplement un délinquant, excusez-moi le mot, hein. Joseph Kabila était tout simplement un délinquant. Il a fait peur à la présidence, voilà, si vous ne respectez pas les accords, parce que ce genre d'accord-là, ce n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit. Parce que comment se fait-il qu'il prenait 900 000 dollars par mois à la présidence et que les 2 500 garde était payé par la présidence. Voilà, ça veut dire que c'était sous-entendu. Et l'accord apparent qu'ils nous ont montré, c'était tout simplement la remise du pouvoir en 2023, le retour de Joseph Kabila. Ce délinquant-là, ce bandit, ce criminel de sang et économique également, qui a pillé le pays. Oh là là, c'est vraiment très scandaleux. Bon, chers compatriotes, avant de vous montrer l'extrait qui va vous faire froid au dos, je vous lis un extrait ici qui va corroborer aussi ce que vous allez entendre là-dedans. Donc, il s'agit des fins des consultations au Palais de la Nation. Le dilemme de Félix Tshisekedi, c'est ça le titre. Vous ne verrez pas, mais bon, je vais lire pour vous, ayez confiance.
Donc, c'est une information qui vient de Opéra News avec le mot-clé FCC. Voilà, chers compatriotes. Confronté à de vives tensions avec ses alliés du FCC, le président Félix Tshisekedi a choisi des consultations avec la classe politique et sociale dans l'optique de créer une nouvelle dynamique qui l'accompagnera pour le reste de son mandat. En réalité, c'est une stratégie haute que le cinquième président de la République démocratique du Congo mise. Déjà qu'il a recréé de fortes attentes dans la population, des attentes qu'il a lui-même perçues aux consultations où tout le monde préconise de tourner la page d'une coalition au pouvoir dont le mode de gestion ne fait que creuser un profond fossé avec la population. Ainsi, à l'issue des consultations du Palais de la Nation, Félix Tshisekedi devra opérer un choix judicieux, celui d'annoncer et d'assumer courageusement la rupture. Verser dans des demi-mesures pour la survie d'une coalition conflictogène va sans doute créer la déception populaire. Je répète, chers compatriotes, verser dans des demi-mesures pour la survie d'une coalition conflictogène, ça veut dire qu'il génère des conflits, va sans doute créer la déception populaire et le pays ne fera que du surplace. Donc, nous attendons du président vraiment qu'il annonce la rupture et des décisions sérieuses, chers compatriotes. 2 ans auront suffi pour faire éclater au grand jour les différends qui minent la fragile coalition entre l'ex-président Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. Ayant compris qu'il faut s'affranchir des pesanteurs d'une alliance contre-productive, le chef de l'État appelle désormais à de nouvelles alliances politiques, fustigeant des antivaleurs et des tactiques politiciennes visant à plomber ses efforts de développement. Le président congolais Félix Tshisekedi a initié des consultations avec les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs dans le but de créer une union sacrée de la nation. Son avenir politique en dépend énormément. Déjà, il avait déjà planté le décor dans l'opinion sur l'issue de sa démarche. Ses consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je vous ferai le point de mes décisions qui n'exclurait aucun cas de figure. Note-t-on de son bref discours qui a donné un nouveau rythme politique au pays. Ira-t-il jusqu'au bout de sa logique? À Kinshasa, observateurs, analystes sont partagés. Tout le monde attend voir si ce serait un pari réussi dans la requalification des choses. Mais déjà à Kikwit, où il a séjourné le week-end dernier, Jean-Marc Kabound a donné le ton. Le président ad intérim du parti présidentiel a annoncé aux militants de son parti réunis pour un meeting à Kikwit le dimanche 15 novembre la fin de la coalition au pouvoir et invite à cet effet l'ancien président Joseph Kabila à prendre ses dispositions. Le message est passé. Nous avons appris que Joseph Kabila a écrit au président africain qu'il va paralyser le pays si Félix Tshisekedi mettait la fin à la coalition. Maintenant, je l'annonce officiellement à partir de Kikwit que la coalition n'aura plus lieu. Qu'il prenne donc ses dispositions, a déclaré le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Une déclaration forte lancée dans le fief des deux leaders de la coalition de l'opposition Lamuka, Fayulu et Mozito, dans un rendez-vous qui a refusé du monde. Tout un message.
celui de toute la majorité silencieuse du pays, rangé pour le changement et la rupture, et le lieu est bien choisi. Entre-temps, tout le monde est devant son chrono, en attendant la découverte de la tournure du reste inattendu emprunté par les événements. Au cas où le chef de l'État tempérait, ça sera une souris d'apaisement. À la limite, la grosse déception qui va le déphaser complètement de l'opinion, mieux de la population. Ah, ça, on ne va pas tolérer. Hein. On attend qu'il annonce la rupture. Hein. Voilà, pas des demi-mesures. Hein. À considérer l'attente soulevée dans l'opinion publique par le discours présidentiel du 23 octobre, l'unanimité est faite autour de la future union sacrée de la nation qui sonnera le glas de l'actuelle coalition au pouvoir. Qui ce que dit devrait tout changer, imposer un nouveau jeu, tout comme de nouveaux joueurs. Le peuple l'attend et il devra aller jusqu'au bout. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu ça. C'est une information que nous avons voulu lire, vous lire comme une introduction à ce que nous allons vous présenter. Voilà, nous attendons que le président annonce vraiment la rupture, la vraie rupture, chers compatriotes. Sika oyo bandeko tokoyoka basekre oyo ebimi la présidence, le conseiller principal du président en matière économique et de finance, donc abimi si basekele, Zali Sony, c'est honteux ce qui s'est passé à la présidence. Ba imposa ki bango que Joseph Kabila Atoucha Kabamongo naye directement à la présidence. Alors que le seul président que nous connaissons, c'est Félix Tshisekedi. Mais non, lui, Joseph Kabila, il se considérait que c'était lui le président. Et vous savez que le président avait annoncé que son salaire était de 15 000 dollars. Ou, on a lu ça aussi dans les médias. Et que Joseph Kabila touchait d'abord 680 millions par mois. Et ensuite, Marcelin Bilomba a annoncé que il avait commencé à toucher 900 000 dollars et qu'il y avait 2500 gardes-corps qu'on continuait à payer pour Joseph Kabila. C'est honteux, vraiment, ce Rwandais. Hein? Ce petit Rwandais, vraiment, il nous a pris pour qui? Donc, c'était lui le président. Et puis, Marcelin Bilomba dit que c'est terminé la peur, c'est terminé la peur. Voilà, au nom de la majorité, alors, il faisait tout ça. Ah non, sous peine de menace, parce qu'il a menacé que, bon, si on ne respecte pas les accords, le pays va reculer de 50 ans. Donc, c'était ça les accords? Ah, mais non, monsieur Kabila, ce pays-là ne vous appartient pas, vous êtes Rwandais, Rwando-Tanzania, retournez d'où vous êtes venu. Voilà, chers compatriotes, écoutez. Oyo, Atali Makambo Yamosolo, c'est-à-dire Azali conseiller principal chargé à économie et finance et à chef de l'État, boye biye pour assis à l'équipe chaîne Nabiso, yende. Donc, on bête à ma solo, pour que ma solo est allé wapi. Pote, koto, yo bozali comme on a ministre de la finance, azali ko pèse tableau sombre. Azali ko akize présidence, azali ko dénoncé. Ma kamoué, ma solo n'est pas allé au présidence et belé. Ou bazali ko bien un dépassement budgétaire, c'est-à-dire, ou azali ki prévite na kati ya bidye, mais dépense ou ane ko kende likolo ma kas na ou et tenka présidence yango moko. C'est-à-dire, et le coin a échoqué, Batobeto a dit, président, groupe parlementaire, il y a peu perdu, à l'obéli, Yango. À l'obéi, mais le peuple d'abord, Yango, est Zaliwapi. Tant que Mosolo et Belé, est Zaliwapi, qui est la présidence. Train de vie à présidence, est Zalikolo Makasi. Tant que présidence, il y a Moko, Zaliko, il y a Bidien, Mounene Koleka, Mosounia, Mounene Koleka. Peuple, il y a qu'on s'est retrouvé en Dengenin. Est-ce que Zali a solo, toi, est Zalikota?
yango wana tolingo yeba solo to ekoluka moko oto otiko présenter to otiko tanga kombo na ye na to tanga kombo na ye te meto otiko présenter ye conseiller principal ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atali makambo ya misolo na kati ya mboka na biso tozoke ne mbangu mbangu na lombangu pona koyeba kosolo na pe ko tune metu na to tambola kinango mbote mwana mboka Marcel Bilomba mbote Ozali conseiller principal et chef de l'État, na maïmatali misolo. Le loro to yeko lukayo pa po maïe klobo mezali mingi. Bino baye bozali kosanga présidence, bino batu bozali ko conseiller chef de l'État. Mais population a komo na clarté. Misolo nyos o population ko ko se retrouve na ngo ba fonctionne ba futama. Mais balubi misolo nyos on a eko si na présidence. Ministre de la Finance, Alexis Yangopolele, Olobindengenin, est-ce que Maya Lobaki wana est allé à solo to à poser les binômes? Ok, merci Mingina, mon collègue Lolenge, pour inviter Ngaï. Surtout ça, là, émission, il y a de cela 6 à 7 mois. Lelo Zongelinga, na Makambo Etali, Makababa dépassement budgétaire. J'aime autant vous dire. C'est très facile. Il y a qu'au fond d'accord accusé. Liboso ça là, yambo ça là, les cambo poser acte. Il faut se poser la question. Ce qui, vous avez respecté ma procédure. Ce qui m'a cambo zali, pour le bailan a bossolo. Tout ce qui vous avez ça là yango, qui nous prend à quoi ça partenaire d'ailleurs. Les loyaux, bon moi là qui n'dengue. Assemblée nationale a eu pour gangaka que dépassement à 14 100% et désorienter l'opinion. Alors que ministre de la Finance, Oyo Amemaki, par rapport à la reddition des comptes, il fallait des Azalanabo solo. Il fallait Azela, Cour des comptes, Oazaki saisi. Dans le rapport de reddition des comptes, et Sengela qui, dans la Cour des comptes, parquet général près de la Cour des comptes, a revisité Makambouana, Libosote, Assemblée nationale, à Pessa et à Noyasuka. Et d'abord, Yambo a saisi la Cour des comptes, et Sengela qui, dans le ministre de la Finance, Yende Azali, patron, il y a direction générale et reddition des comptes. Il fallait à déployer direction générale et reddition des comptes à travers les institutions. Il y a l'État à Kinshasa, à l'étranger, comme à Yoga qui sont mokoke. Oh non, il y a sous possibilité. Il fallait que Tindaka batte dans l'ambassade. Non, l'ambassade est reliée dans le ministère des Affaires étrangères. Donc, le ministère des Affaires étrangères pouvait regrouper tous les éléments de l'ambassade. Il était question de faire un travail sur terrain à Wa na Kinshasa. Ce qu'on lit, c'est auditer Moutou. Au Koyan, nous pouvons contrôler pièce contre pièce, contrôle sur pièce, donc sur place. Nous avons aussi la première étape et nous avons un élément dans la Cour des comptes. Dans la que, nous avons un côté. Depuis le 26 février 2020, nous avons pris toutes les dispositions. Toyamba, batu ya direction générale la réduction des comptes, to travaille na bango, yamboke, bati na makamu la Cour des comptes. Basali yangote, baiko ganga, ko lakisake, présidence, anga ou sa ba dépassement, à quel moment baza ou lo bango, kaka tango mokondi, asali la consultation. Zelan mwa namboka, olobi, batu a réduction des comptes, bo zelaki bango, ba yete, pe basali yangote, ponanin. Je pourrais dire que la Bosanaki, de ce que la Bosanaki, c'est une faute professionnelle. Il fallait d'abord Baya tout travailler na Bango, Ngaï, na niveau et à présidence, comme je suis le délégué, j'avais pris toutes les dispositions pour Nato Yamba Bango. Il y a une note technique au Nasanaki. Le 26 février 2020, c'est pour dire que si vous allez responsable, Namakambo est allé
y a l'État là-bas au niveau. On doit être très professionnel, on doit être transparent et on doit être ouvert. Est-il que bah y a quitté. Mais bon, Kimimbangu, l'Assemblée nationale, sans que vous ayez la même observation, il y a cour de compte. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Na kati ba dépassement. Et là, vous avez qui? Rémunération. Pour répéter à mon malam. Rémunération, il y a sénateur à vie. Oyo ministre, à Betty Libakou, à lui que ça émarge dans le budget, il y a ministère de budget. À Bosanaki, à Betty Libakou. Ça émarge dans la ligne budgétaire, il y a présidence de la République démocratique du Congo. Ligne, on a de Bekango, FSI, Fonds spécial d'intervention. Et Belé Mbongwana, ministre, à Zobeta Libakou, Kolobakéza, la ligne budgétaire et ministère des budgets. Non. Naza qu'on répétait pour rafraîchir les mémoires, qui est la ligne budgétaire, il y a présidence de la République. Et, vous voyez que l'alternance est Salamaki. La tango alternance est Salamaki politique. Les membres du cabinet. Il y a président honoraire, Joseph Kabila. Il fallait qu'on foute à Bango des comptes. Otto Bengi, prime de fin de service. Il y a 6 mois de salaire. Bossa a 6 mois de salaire sur au nombre des membres du cabinet. Nous sommes tous frappés en gros sur budget à 2019. Est-ce que vous avez un dépassement? Liboso ya kolinga kolongola paye na liso ya moninga tala nanu poutre ou na liso na yo alors ba échoué na tentative na bango parce que rôle ya ministre ya finance et sa rôle moko wana ko sapé musala ya président de la République. Bon, mon ami, le salaire est battu. Payé en retard. Pour l'anime. Le ministre des Finances a ordonné le paiement en mode d'urgence. Il y a un fournisseur. Oh, Nazo Goloba. Vous êtes journaliste. Il est retourné au ministère des Budgets. Mode d'urgence, c'est qu'il est grand budget. Pour l'anime, il y a salaire qui va dépenser. Au moment où il fallait qu'on paie sa priorité dans le salaire et le fonctionnaire. Moi, je suis un peu comme ça, mais je suis un peu comme ça. Je après ça qui me tourne que pour mon souvenir, je suis un peu comme ça, je suis dans la ligne budgétaire, mais pour la ligne budgétaire, je suis un peu comme ça, dans le mode d'urgence. Effectivement, le conseil des ministres, je suis un peu comme ça, il y a un peu comme ça, le paiement. Et Sengeli qui respectait la chaîne de la dépense. Mais, tant que le ministre de la Finance a ordonné le paiement, c'est une faute grave. D'abord, le ministre de la Finance d'avoir ordonné cela, et le gouverneur aussi de la Banque Centrale d'avoir accepté un ordre mal donné. Un ordre mal donné, il ne faut pas le respecter. Le gouvernement, ce n'est pas l'armée. L'armée, à Tabaïbissio, qui est sauté dans l'air, l'avion, si c'est un général qui le dit, on respecte, tu sautes. Le gouverneur de la Banque Centrale doit accepter un ordre mal donné par le ministre des Finances. Il faut le réfuter, d'autant plus que les conseils des ministres, présidés par le chef de l'État, vont retenir que plus question des dépenses hors chaîne. Pourquoi est-ce que bah appliquer bah dépenses hors chaîne au moment où priorité est là qui au futaka bah salaire et bah fonctionnaire et tout le reste. Mon amboka place on a y amboto continue parce que les autres ont éclairé bah imboka bah namboka balingo bah malam malam. Nandenge conseil des ministres est décidé que pour ouais azali pour kamba conseil des ministres on les a mokonzi amboka. Le ministre de la Finance a accueilli en dehors de Oyo
mokano bango bazwaki mbando ezalaka te kasi yango nde moni soko za ministre il y a des procédures surtout dans le cadre oyo il y a cohabitation je dis bien cohabitation autobengi coalition de façade c'est une cohabitation au biso comprenez qu'il y a un dépouillé bandé alors pour nous toucher et singeli ma procédure et en démolai parce que chaque temps à côté à protéger moutounaïe c'est pourquoi il faut mettre un terme à cette situation. Mais ça la mec dans tunda ya kasende que nda kimba mo ko jambo ka bete ki loboko na mesa lo bi tunda ali ko mona ete mais ça la mec et landa ki bongo te mo na mboka masele bilongo. Mutu azami ko tosa mo ko jambo ka te. Mais tunda kasenda ke nda ki soko moninga na zako lo balelo. Makambo et tali finances publiques. Tant que ça ne marche pas bien, il faut que belle lango. Ndoki soko moniye, il faut que belle la yo ndoki. Soko beleli bali koloba et ko bangisa yi tango to koloba te et ko encourager bango ba demeurer dans le mal c'est pourquoi les loyo na du liberté ya kolobango parce que trop c'est trop quand on ne respecte pas le chef de l'état ça veut dire que on travaille contre les intérêts de la nation et je répète vérifier yango il y a eu des paiements effectué sans passer par la chaîne de la dépense, ça passer par le VPN budget, et donc c'est de la liberté que le ministre a se permettre à ça là-bas. Mais à foutre un bon anime, évidemment, l'ensemble de la société va nous contrôler. Le sénateur a dit qu'il doit avoir une centaine de sociétés. Ah bon? Les groupes Matata et Consor, vous savez très bien, ils ont des sociétés. Disséminé par-ci par-là. Évidemment, quand on est dans cette logique, on fait quoi? Pour qu'on privilégie la société ou le groupe Nabino, pour qu'on foute la facture, la fournisseur. Parce qu'il y a leurs intérêts. Parce qu'il y a l'intérêt de Nabino Zanakat. Ça, dites-moi tout ce que vous voulez, la théorie a miné de la français, la mine, laïm et laïm. Écoutez, l'air qu'a français était. Les choses sont claires, trop c'est trop. Il faudrait tout recadrer Makambu pour mosoler en boca et profiter en boca. La gratuité de l'enseignement, aussi de l'ensaki, qui demande beaucoup de moyens. La couverture santé universelle, autorisée pour assurer le peuple congolais, et qu'on s'en soit moyen et belé. C'est pourquoi il faut tout éliminer la fraude. Voilà. Il faut que Bunda Pona, Makambu et ma belle, surtout, et si là. Il y a seulement un mot qui a été fait pour les gens qui ont été questionnés. Il parle de la langue qui est là. Sénateur a vu un soldat 2500. 2500 soldats, la garde républicaine, qui ont été foutu dans le compte de la présidence. Ce qui est le bon mot. Batwana bazali bidietisé na bidie ya mboka ou bien bazana bidie moko en dehors. Botou na contradiction batou sur le banabino mais nga nazo répéter sénateur a vie pour foutre na yé et ali na ligne budgétaire ya présidence. Évidemment na liste civile na yé tous ceux qui l'accompagnent, la garde républicaine, 2500, si pas plus, et Zagaka, la présidence. Mais ça, ceci explique cela. Et vous êtes étonné que l'élo, il y a un dépassement. Mabé et Moutine, la source, et Zali, système d'abus sur un budget, il y a un système beaucoup archaïque, un budget d'allocation de ressources. C'est-à-dire que, bon, à Néoyo, tu as la bonne bonne, tu as l'équivalent en francs congolais de 6 milliards. Alors, ce qui est là, les Bobani, ce qu'on attribue, c'est 6 milliards en gros et qu'on a utilisé. Non, il faut plutôt réfléchir dans le sens inverse. Et c'est que nous avons un bon bonne pour atteindre l'objectif 1, 2, 3, 4. Pour chiffrer ma besoin, et qu'on peut s'amener dans la montagne et belé par rapport à
capacité na bino ya ko mobiliser ba ressources na différence wana di sekuyo bo lakisa maele na bino bo ko combler différence sango ndenge nini par des financements innovants surtout que biso mboko ya Congo mboka ya Boania tozali na richesse minière et belé actif et belé to kono utiliser yango pour qu'on lève ma fonds. Pourquoi on ne le fait pas? Mais je pense que les privés le font. Les privés le font parce qu'il y en a qui ont 130 carrés miniers. Vous pouvez imaginer? Moutoumou a 130 carrés miniers. Ah bon? Ah oui? Wana banane, wana. Il y a la politique ou bien la privée. Allo bien. Mon cher, ma cambo est grand beaucoup. Ceux qui n'ont pas niveau le bangou, ils ont pêché à Kamba. Botala, par exemple, zone d'intérêt commun, ZIC, entre Bissola et Angola. Ndenge, Sakani Nabiso, les régimes passés. Intérêt en Boka, Bakiko Koti Sango, les privés, pour avoir donné 3 millions de dollars à racheter. Pour mini contrôle Nabiso na bloc 14C na 150 millions de dollars et c'est l'angola Sengeli ko expliquer même 14 bloc 14C wana po bayimbo ke Sengeli bayo ka malom malam parce que ba ebele pe ko sera difficile ko ba terme technique ba mo technique wana toza la richesse est belle en beaucoup toza na pétrole. Dans les hydrocarbures, dans le pétrole, gaz, dans les minéraux, dans la forêt dense. Bloc 14C et le bloc pétrolier Oyo, et allez entre Bissona et Angola, il fallait que ce soit l'exploitation commune. Botana que un certain Dan Gettler, pour une histoire montée de toutes pièces, Abimaki le propriétaire il y a bloc Wana et qu'il aurait dépensé 3 millions de dollars. Et il fallait les ressortir la carte à deal Wana. Pendant Ezala, Bissau RDC, na Angola. Angola représentée par la compagnie pétrolière qui est la Sonangol et Bissau représentée par la Sona Hydroc. Il fallait communiquer ça Dan Gettler. Et Dan Gettler a d'ailleurs réclamé 250 millions. Ah bon? Alors qu'il y a un mot pour 3 millions de dollars auprès du ministère des hydrocarbures et de la Bissau Congo. Il y a RD Congo. Voilà un régime passé. Le régime passé. Et des 250 millions de dollars, grâce à l'Angola, ils ont discuté pour dire que non, c'était trop. De l'unité traité na Sona Hydroc. Les officiels de la Bissau Congo. Bazak ou appuyé dans le Gettler qu'il faut libérer 250 millions. On n'a pas que le vocabulaire, on a coucou. Mais c'est l'Angola qui a plaidé pour dire que non, c'était insensé. Et finalement, ceux qui ont 150 millions de dollars, Tozanga Kimbongo. Et c'est l'Angola qui a sorti 150 millions de dollars. Et Mbongoana, quand on a fini, si on a pêché dans le Gettler, à qui le vocabulaire, on a coucou. Et l'État congolais n'a rien reçu dans tout ça. Rien du tout. Nazolo Bango, qu'on appelle le Congolais, comprendre que nous avons affaire à des mafieux et que ceux qui te bandit qu'on lutte contre Yangote, Mbokoyo et Kubimate. Ceux qui te disent qu'on banga na liboso, t'en qu'on a mosikate. Il faut dénoncer. Et ça, la moutimokote à Yakiawa, propriétaire à Congo, qui est papa na ya pesa qui est, azala. Comment dirais-je, héritier, il y a bloc 14C. Au nom de quoi? Dan Gettler, Aza Moutouya Banondou. Pourquoi a Sakana Congo Nengwana? Parce qu'il était protégé. Voilà autant d'exemples à Ropes. C'est ça qui fait mal. Un pays comme le nôtre, avec des potentialités énormes, mais Bissomogo Toali à la base. Il y a échec de Boka. C'est pourquoi tu as un monde qui est déboulonné. Malène. Et tu comment? Il ne faut pas avoir peur. Il faut extirper la peur.
il faut peuple congolais tellement à tailler là ba oyo baza ko bomamboka à lobé la bango et petit à petit bako tika mabena bako pona bisonyo soto travailler pona intérêt en boka mon nom boka Marcel Bilomba yo otiko lobawa kozali politique et puis oza libre ya ko mettre en vie na yo politique pona yo le belangana le bleu bisona le bleu pour qu'on a venir ya FCC cash pour na continuer to et s'arrêter ya mboke na loba mokonza mboka ba élire suffrage universel le même jour to sali élection ya mokonza mboka le même jour pe ba élire ba député. Comment ça se fait peuple congolais à élire président de la République, quand il y a un peuple congolais, il y a un député à ABBBBB, CCCCC, WWW, et Salamaki, la veille, il y a une élection. Non. Le coup mon élève. Vous savez, Kosa, mais il y a un monde qui a soukake, et ça, il y a le coup. On ne peut pas bâtir la nation sur base de la mensonge. Je suis en contact, moi, avec les députés. Il y a BBBBBB, AAAA, CCCCCC. Je vois qui va voir les bateaux, qui est réellement élu, Longoli Bango, Pessiango, député, il y a PPRD. Je suis en contact avec Bango, tout seul à Bango. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Pour continuer, Boyer et Ali, victimiser le peuple congolais. Et Sengeli, le coup la partie attend mon côté, à la majorité de l'Assemblée nationale, tant que tout ça qui accord FCC Cash et qui va nommer le premier ministre, le professeur Ilunga Ilungamba, parmi la argumentaire, comme on dit, vu ceci, vu cela, et tout ça, il dit, vu l'accord FCC cash, puisque mariage n'est pas aussi batté, le fait qu'il y a déjà que ce qui me conseille, c'est que mariage n'est pas aussi batté, ça veut dire que tout le reste, il fait quoi? Et Sengeli, tout le monde dans la constitution, et quand on a identifié la nouvelle majorité, a nommé un informateur. Il y a un gros balobi place où on a moins d'emboca. Tous les potes dans mon zinda, c'est quoi? Moi, il est engagé solo. Il y a un gros que chef d'État a bien ici consultation. On a pour aller engager débaucher. On les accusations. Il y a ben de qu'on a besoin à peu perdre. A commis qu'au débaucher, pas pratique ou on les a bien été. Qu'au débaucher, en gros le banim. Ce qu'aucun a peu perdre, basant ce qui n'a autant de députés. Aujourd'hui, c'est quoi? 5 députés. Va bien en gros débauchage. Mais ceux qui, ils surtout tourner vers la nouvelle majorité, ils s'orientent vers la majorité. Ce n'est pas un débauchage. Ils du conscience que nous ne pouvons pas continuer. Tous sont président de la République, ou il y a un souci, tous cheminer ensemble. Ce n'est pas un débauchage. C'est prise de conscience qu'on ne peut pas les loyotocha mbokanabi sont en danger. Ce n'est pas un débauchage. Débauchage, c'est l'unité aujourd'hui un élément dans un ensemble. Mais quand l'ensemble est parti, tu appelles ça débauchage? Bon, admettons qu'il y a débauchage. Tango Badjoka Chibala, Bruno, et de la Kini, Tango Badjoki, avant Chibala, le premier ministre Sami Badibanga et c'est là qui n'est pas donc les loyaux pour comprendre que au besoin de salaire mabé débauchage ou pas débauchage, le Congo c'est notre pays, le chef de l'État c'est lui l'arbitre. Il a fait ses consultations à Prometagi à Kozonga Koloba pour Nanga. Vivre la cohabitation depuis le début, en tout cas, il faut être dupe
pour ne pas comprendre que nous sommes dans une cohabitation et on nous mettait les bateaux dans des roues tous les jours. Tous les jours. Même Bissot, même Ngamoko. Dans la victime Payaba, on a un blocage. Par le ministre Sele. Ah bon? Ah oui? Le président de la République. La conférence. Nabissé Mokondi. Toko continue à être Mboko yo na deux monnaies. Dollar, franc congolais. Il faut à un moment donné, ton dimaké, il faut tout dédollariser l'économie congolaise. Et nous avons dit que vous avez un dollar, vous avez interdit. Vous avez un mais on approche na yo. Vous avez utilisé un mot pour voyager, ok, Namboko va utiliser un dollar. Kende kakata ou na Brazzaville, kende ou lien à restaurant, bibi sa dollar, bah, sinon kende ou louka ou France CFA. Pourquoi Bisson, au lieu de ma cigarette, au $6, au lieu de ma unité téléphonique, au $6, na sali makambona, et l'ingo le bateke, ngaïne na kode dédollarisé, na l'ingine na sangisa, bato ya maïla boania, au baïbi économie, et surtout ma expert, ma monétariste, tout ça na bangoué belé, ko sangisa bangoué ba scientifique wana, ko sangisa batu ya ministère de finances, Kosangi Sabatu ya Banque Centrale, Kosangi Sabat expert, ya Banque Mondiale au Bazar na Congo, Kosangi Sabat étudiant et tout, tout réfléchi, tout tcha, maïle na biso, tout lakisa, un chronogramme que peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, voilà ma préalable, ou y'a singeli, pour la que à terme, tout comme na ko dédollariser l'économie. Alors, et singeli moussala y'a 3 jours, mokonzandimi yango. Na sengi mongo na Banque Mondiale ba accordé ngayango $68,000 américains na bi mongo ya Banque Mondiale mais mongo na li géré awa na Kinshasa par une cellule attachée au ministère des Finances na du lettre officielle ya directeur des opérations ya Banque Mondiale a pesinga bon a bi bon voilà yango yo c'est bon mais c'est scellé a boyi ko signer. Les amis, les cohabitations de coalition. Voilà, voilà Bandeko. Comment que na souka bino boik ba réponse, boik ba réponse. Vraiment, tout le monde était, mais tout le monde mais c'est celle, tout sur la naie, tout yo kaye, parce que ma cambo singele changé, singele changé. Tout ce que je veux dire, c'est que Marcel et Bilomba, pour la Bino Lelo, la chaîne Nabino, vraiment, pour s'abonner sous Ming. Pour Mikolo Telobi, tozo kota, pour la Bino. Moi, je veux dire, tout le monde qui a été en train de se faire, minute ya kotanga, mon retour na muke na ba oyo bazali kolanda yo surtout ba to oyo balengo yo ko investir na Congo lo banini ozali koloba na bango. Le pays est grandement ouvert na lobaki qu'il faut tout diversifier économie. Nous sommes là pour accompagner ba investisseurs ba lini ko ya pour na ba investir ko respecter ba loi en mboka. Ils sont les bienvenus to ba accompagner bango mais ma be ozala mboka il faut ko bele lango. Makambo ya kobomba ka makambo ya makambo ya ba ancien régime de Staline de l'époque likambo so za mabe hein fuko la sango polele so za malamu pe fuko beta maboko ki tala oyoza musala ya bwania ya mboka na suka tozaki na COVID-19 na zolo bango ko la sabino ke nous vivons dans la cohabitation pendant la COVID-19 ba école les aki fermé toutes les écoles les aki fermé ba na bazaka bandaka. Kanisa ke Assemblée nationale, c'est vrai, a voté qui budget qu'il faut qu'on paye ça ministère il y a enseignement primaire et secondaire 10 milliards de francs congolais par mois et ni goloba $5 millions. On a bah frais de fonctionnement et bah école qu'on soit bah créer qu'on nettoyer école et tout ça bah école à travers la République. Yozo tout n'anga mituna. Ceux qui n'avaient tout mutuna. Na katia période où on a eu Covid, ba école est fermée. Est-ce qu'il fallait qu'on foute $5 millions par mois? Je pense que la réponse est non. Parce que tango assemblée à salaka budget, a yebakateke
Covid et Goya et Goboma et que tu as un mandat pendant 4 mois. Banaba Fanaga Banda pendant 4 mois. Kanisake, ministre de la Finance. C'est qu'il y a eu détournement. Au Lingolo, il y a eu détournement. Kasi Yokate, ministre de la Finance a foutu 5 millions de dollars pendant 4 mois. Tant que Banaba Fanaga Banda, ça lit 20 millions de dollars. Mais ministre de l'enseignement, ça a été FCC. Ministre de la Finance, ça a été FCC. Et ce qu'on a, il y a un SIDA, ou bien ils allaient à respecter la loi des finances parce que l'Assemblée nationale a dit qu'il faut qu'on foute. Non. Tant que vous allez responsable devant une situation, c'est la conscience qui doit te guider. Les ministres des Finances ne devaient pas payer ce montant-là. Parce que l'école est fermée. Yos ko zopesa mbongwana oyik ba ko la fermé c'est que ça ba chi danayo yo na ministre ya enseignement pa ba ko ka bolango écoutez est-ce que ko ba ko na zoro ba trop na ko continuer ko loba d'ailleurs mikolo ba série est belé parce que trop c'est trop on ne peut pas continuer comme ça il faut makambo et si là selon vous quelle sera la fin des consultations l'après consultation quelle est votre proposition peut-être si le président de la République vous pose cette question? Qu'est-ce que vous me proposez selon vous en tant que politique? Mais Sengeli Leloyo a nommé un informateur, a identifié la vraie majorité au moment où il y a c'est des gens balanda qui lit pas. Baroya Sikoyo, c'est qu'il y a raison pour nous tout travailler, pour nous makambo changer. Et les Congolais sont conscients, les Congolais ont compris, la peur, c'est du passé. La peur, c'est le qui. Extirpons la peur, travaillons pour le devenir à Congo, parce que c'est notre pays. Et je sais que les Congolais ont une nouvelle majorité Gobima. Ceux qui ont du conscience, ils ont perdu, mais qui restent aussi dans l'opposition. Comme ça, bataille la mission de trop ça comme ça. Voilà, il y a solo balandé, il y a RDC sur ses fautes, comme la souka masolo na biso ya lelo, na conseiller principal Marcel Bilomba. Mais tout n'est là que biso ba biano zala ki aye, boyo ki e. Ba commentaire na bino pe ba question na bino mosusu, boko me la biso. To koyé ba kozongele les sous pour Nicolas yo esengeli. Tout expliquer peuple congolais aïe ba vérité pour bozana droit koyé ba cause pas information pour na mboka na bino partout où vous êtes bozana droit à l'information pour ezali collecte bolingo ya Congo. Merci mingi maman Alphonsine Kalala Mbuyi Kabamba en Allemagne, maman Mukuna en Allemagne, Blanchard à Londres, Bambo Tebele, Jano Kabuya, Biske Ozali, Bambo Tebele, Nadine Zola, Nabela, na Dona Kabasele Mobuyayi, Pinos Kabuya, Bino tout ici Kabozali, vraiment to simbana. Pona ikolo na biso, to lingi ikolo na biso, ma serve de corps, na Katia Suisse, toza ilongo, Bambo Tebele, Sika Bozali. To bosala mosusu te mengo, na biso des amoke. Voilà, chers compatriotes, bande Konadiso, Babolingo, peuple congolais, to soutenir le président Félix Tshisekedi, akende tina souka, ya ba décision naye, po to zela rupture, na vendredi, balobi ete akoloba vendredi. Mais, Eberhard Kolongué, le directeur, ya cabinet naye, a lobi déjà que 34 questions. Où ils allaient qu'on se poser en ce moment, donc, et qu'on soit réponse nango le vendredi lors des décisions du président de la République. Et voilà, et nous savons qu'il est parti en Angola, peut-être chercher un renfort là-bas, et nous espérons que, comme Kabila menace d'attaquer le pays militairement, ou je ne sais pas comment, et voilà, que le président soit préparé, qu'il soit fort. Bon, Marcelin Bilomba dit que Tokobanga li sous-souté, donc il n'y a plus de peur.
Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta, voilà, chers compatriotes.